Martino. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut Philippe Vincent. Je veux revenir sur ta chronique du Journal de Montréal, que je trouve très bonne aujourd'hui. Merci. À quoi joue Justin Trudeau? Mais surtout, tu fais la liste de tout ce qui ne fonctionne pas. Depuis deux semaines. Oui, dans l'État fédéral ou le gouvernement fédéral. La gestion fédérale. La gestion fédérale. Et Thomas Mulcair me dit souvent ça. Il dit, on dirait que toute la machine est là pour l'image de Justin. Puis on oublie un gouvernement, c'est aussi que ça fonctionne. Que quand tu vas avoir des passeports, tu n'attends pas comme de donner fou, des services. De donner des services. Et là, tu fais, écoute, la liste de ce qui ne fonctionne pas. La vérificatrice générale, l'ombudsman des contribuables, on avait l'immigration, Immigration Canada, le chemin Roxham, les passeports. Le milliard de dollars de données à ces sociétés d'habitation. On sait pas où c'est que ça va exactement. C'était super bon, ça, comme histoire de Dominique. Très bon. Écoute, des millions de vaccins en trop, l'Agence de revenus du Canada, qui ça fonctionne pas. C'est vraiment les deux pieds dans la même bottine. Mais alors qu'il va parler de santé, puis il va dire à François Legault qu'il ne veut plus donner d'argent parce que ça marche pas, le réseau de la santé. T'sais, parce que ultimement, je me disais, il y a la rencontre vendredi. Puis tu sais, François Legault, il va quémander, là. Ben oui. À quelqu'un qui... Oui, puis il nous fait la leçon comme si, tu sais, il n'y avait pas de problème dans son camp. Il veut dire, tu sais, vraiment, arrange ta maison, prends soin de ta maison, puis tu nous diras. Comme un ça, père de famille qui dit à son enfant, ouais, mais tu devrais gérer ton couple de même. Ouais, excuse-moi, papa, c'est parce que ça fait 7 femmes que tu passes cette année, tu sais. Peut-être que si tu étais plus stable, je pourrais mieux t'écouter. Exactement, là. C'est exactement comme ça. Tu sais, le bonhomme qui te regarde stationné sur le bord de la route, puis il est là, non, alors que son auto est toute cabossée, là. Exact. C'est moi, je l'aurais mieux parké. Alors, c'est bien de voir la liste comme ça, un après l'autre. Lisez ça, c'est la chronique de Philippe-Vincent Foisy, aujourd'hui dans le journal. Merci beaucoup, Richard, pour cette belle plug, comme on dit. Jean-François était derrière la console avec Cybèle et Florence. Merci à vous. Bon show, Richard. À demain.